Donc il disait que vraiment, on a fait la vidéo hier sur ce qui s'est passé concernant la situation au niveau de Didi. Didi, je ne savais même pas que Didi, c'était une sous-préfecture de la Côte d'Ivoire. Quand nous on dit Ori Didi en ivoirien, Ori Didi, ça veut dire que original. Voilà, c'est Ori Didi, original. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une localité en Côte d'Ivoire qui s'appelait Didi. Kwasi, comment ça lui soit Kwasi. Donc, je ne savais pas qu'il y avait une localité en Côte d'Ivoire qu'on appelait Didi. Et donc, c'est hier même. Alors que, vraiment, j'ai reçu la vidéo de certaines personnes qui m'ont envoyé la vidéo là. Et puis, dans la vidéo, on voit l'enfant qui a été décapité avec un vieillard qui a été décapité. Quand on parle de terrorisme, certains enfoirés disent non, mais attends. Où est Kalachnikov, où est fusil? Bon, vraiment, je ne sais pas si on doit. Moi, je ne suis pas un enseignant pour refaire l'éducation de certains, mais vraiment, il y a des bornés sur les réseaux sociaux. Vraiment, ce n'est pas parce qu'on a payé, on a un téléphone avec une connexion Internet que l'on pense, n'est-ce pas, connaître tout. Ça, mais vraiment, il y a quand j'ai publié là, mais. La plupart des ados moutons, c'est ruminants là, qui sont sur la toile. Eh hey, non, tu mens. Alors je lis les commentaires. Alors que je mets avec les preuves. Je donne une information avec les preuves. C'est-à-dire que, sourcé, je suis même rentré en contact à travers cette. Partager, pomper. Bémoué! Je suis même rentré en contact. Avec je suis entré en contact avec des personnes qui habitent cette localité de Didi qui m'ont confirmé l'information suite à cette attaque terroriste là. Voilà, c'est un individu qui s'est radicalisé en France ici là. Sois salué Fladmi. Voilà. Urbain, comment tu vas? Edmond. Il y a trop de brouillard ce matin-là. Il y a trop de brouillard. Donc, je disais tantôt que. Donc, il faut. La visibilité n'est pas trop. Donc, il faut un petit peu réduire. Là, on est à 110. Je suis à 90, c'est bon. Donc, je disais tantôt que. C'est quand même paradoxal. Les gens veulent, ils ne veulent pas que nous puissions informer les Ivoiriens. Ils ne veulent pas que nous puissions ventiler l'information. C'est quand même pathétique. Voici, ici en France là, quand le père Hamel a été attaqué dans une église par des individus, par des malfrats, et par un malfrat, un criminel, mais c'était un acte terroriste. C'est quoi le terrorisme? Mais le terrorisme, c'est la terreur. Terroriser. Le verbe terroriser, c'est quoi? Le mot terrorisme, le mot terreur. Et donc quand on dit qu'il y a eu une attaque à connotation terroriste en Côte d'Ivoire, on dit non, sous le de Paris, il dit qu'il y a eu terrorisme, mais c'est quoi? Et pour eux là, c'est les terroristes viennent avec les fusils, mais ils sont quand même bornés ces gens-là. Vraiment, c'est difficile, hein? Je le dis, c'est difficile. Bon, je comprends bien, dans une classe d'école, oh là là, les brouillards là, laisse tomber les gars. Dans une classe d'école là, le maître souvent, il explique, comment dirais-je, les cours. Que ce soit le professeur de mathématiques, d'histoire géo, ou bien d'SVT ou autre, il va expliquer le cours à peut-être 30 élèves. Mais dans les 30 élèves là, mais il y a d'autres qui vont comprendre ça avant même que le maître finisse l'explication. Par contre, il y en a qui ont du mal à comprendre. Il faut expliquer, réexpliquer. Et d'autres, il faut même qu'ils fassent peut-être pas des cours d'histoire afin de pouvoir assimiler ce que le maître a dit. Donc, moi, je ne peux pas comprendre. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Et puis il y a des abrutis même, il y a des individus que je croyais ces personnes étaient intelligentes. Ils viennent dire, c'est faux, hein, je viens d'appeler à Lakota. Ce que tu as dit, ce n'est pas vrai. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ces gens-là? Hein? Des gens même, et puis tu vois, ce ne sont pas des faux profils, hein, des pères de famille. Ils disent, non, que je viens d'appeler mon collègue là-bas. Il dit, non, que ce n'est pas vrai. Aïe! C'est fort, hein, c'est fort. Mais ils sont prolixes. Quand il faut parler du Burkina Faso, du Mali ou du Niger, et pour eux là, quand on dit terroriste, c'est des personnes qui viennent prendre, c'est ceux qui viennent comme ça, avec les armes pour tirer. Mais le terrorisme là, ça a beaucoup de facettes. Hein?
Est-ce que ça, il faut aller faire un dessin pour ça? Donc, ces cancres-là, hier, j'ai publié ça. Ils sont venus dire, non, sous le tâteau de mentir. Bon, on est déjà né, on est déjà habitué. C'est pas d'aujourd'hui. Mais ils sont en train de monter en puissance. Mais moi, je ne tâte pas dans, je ne suis pas dans mauvais rêve. Tu es moi bloqué la drogue, moi bâtard sauter la drogue. Ah! Tu es moi ouvrou quand ils viennent comme ça, moi bâtard sauter. Je les bloque seulement. Tu viens sur ma page. Si tu veux me donner des leçons, tiens. Si je sais que j'ai raison, et puis tu veux m'insulter, mais me bloquer, tiens. Est-ce que toi, tu es nul et indispensable? Toi et moi, on ne s'est pas donné rendez-vous sur les réseaux sociaux. Aïe, tu viens sur ma page, la page que j'ai créée. Je me bats pour la maintenir. Hein? Ici, il y a pratiquement 600 et quelques mille, 600 combien de mille d'abonnés, là. Hein? Iwurukaya. Hein? T'as vu ma merde. Tiens, mi kouti que tiens. Et mon dieu, Iwurufron. Les RDL, là, je les bloque beaucoup sur ma page, ces moutons, là. Ce salopard là. Les RDA, c'est mon coup de la lombe. On dit il y a un individu radicalisé qui est sorti avec une machette. Il a crié, il a mis sa main, il a commencé à crier Allah Akbar, Allah Akbar. Mais c'est comme ça ils font souvent ces illuminés là pour aller étiqueter, pour exposer une religion de paix. Parce que l'islam, il faut reconnaître, c'est une religion de paix. Mais il ne faut pas oublier également que, même dans la religion chrétienne, il y a des individus comme les Joseph Kony, voilà, qui ont massacré Joseph Kony, lui, au nom de la religion chrétienne. Vous voyez que lui massacrait 20 l'Ouganda, Joseph Kony. Allez-y vous renseigner sur Joseph Kony. Donc il y a les extrémistes religieux, les intégristes religieux, qui s'appuie sur la religion pour commettre, n'est-ce pas, les forfaits, les sales besognes. Donc l'individu, voilà, il a été arrêté. La vidéo même, j'ai montré hier, la photo j'ai montré hier, de l'individu qui a commis l'acte au niveau de Didi, à la sous-préfecture de Didi, qui est à 37 km de Lakota. Voilà. Mais ça, les autorités de Côte d'Ivoire ne veulent pas qu'on parle de ça. Parce que, eux, voilà, il faut que les Ivoiriens le sachent. Il faut faire attention. Voilà. Il faut faire attention. Le pays, là, actuellement, là, Ouattara, vous voyez actuellement là, il a signé un pacte avec les terroristes pour ne pas que la Côte d'Ivoire soit attaquée. Et donc, en contrepartie, là, il est obligé, n'est-ce pas, de ne pas les brusquer. Mais est-ce que le pacte qu'il a signé là ne va pas sauter quand il ne sera pas là? Parce que souvenez-vous avec Blaise Compaoré. Quand Blaise Compaoré il y avait, comment dirais-je, un accord tacite entre Blaise Compaoré et les terroristes au Burkina Faso, il commandait même des véhicules. Avec l'État burkinabé, le président Roch Marc Kissan Kabore a fait cas de cela sur la chaîne de télévision BBC, où il a été interrogé, il a expliqué qu'ils ont commandé des véhicules qui devaient venir par les ports d'Abidjan. La vidéo, nous l'avons, hein, c'est pas des dits comme ça à l'emporte-pièce ou bien en l'air. Non, non, non. C'est des trucs qui sont corroborés par des déclarations officielles de l'ex-président du Burkina Faso, Roch Marc Kissan Kabore, qui dit que les chefs terroristes sont venus le voir. Mais vous voyez des chefs terroristes qui viennent voir un président élu d'un pays, et ils lui demandent où sont les véhicules qu'ils ont commandés. Il dit, mais quel véhicule? Il dit, non, ils ont commandé avec le régime de Blaise Compaoré. Ils disent, mais lui, il est au courant de rien. Il faut qu'ils aient demandé leur véhicule à Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Mais là, c'est sur YouTube, vous pouvez taper, vous allez voir. Donc, aujourd'hui, là où nous parlons actuellement, là, la Côte d'Ivoire est dans la ligne de mire. Et encore, il y a une information qui est grave. Demain, c'est pour accuser Guillaume Soro. Parce que, ça, je vais en parler aussi également. Les rebelles de Ouattara, là, que Ouattara il a recruté pour venir au pouvoir, là. Il a promis à certains. Aujourd'hui, certains sont rentrés en brousse. Demain, c'est Guillaume Soro qui est derrière. J'ai vu un article de presse qui nous informe qu'ils sont en train de s'entraîner. Et tu vas voir demain, bon, c'est Guillaume Soro qui est derrière. Alors que l'information est déjà publique. Hein. Ils sont en train de s'entraîner. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas contents du traitement, réservé à eux par Alassane Ouattara. Donc, c'est des personnes qui vont revenir, au galop. Et vous allez entendre demain que non, que. Ah! Attention. Vous allez entendre demain que. Ah! Il y a des attaques sporadiques en Côte d'Ivoire. On va dire non, non, non. C'est Guillaume Soro qui est derrière. Alors que ça n'en est rien. Parce qu'ils sont informés, parce que comme ils aiment accuser à tout va,
pour cacher leur incapacité, leur incompétence notoire, criard, voilà, visible. C'est pour dire que Guillaume Soro est derrière en train d'attaquer le pays. Alors que pour le moment, là, les journaux sont en train de nous relater que les ex-rebelles d'Alassane Ouattara aujourd'hui là ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents et ils sont en train de manifester cela en allant se replier dans des pays environnants. Donc, ils disent que... le journal, c'est public, hein, vous tapez, c'est public. Voilà. C'est public, hein. Tout ça, là, les gens, ils ne s'informent pas. Ils ne vont pas à l'information. Et quand ils donnent l'information, ces idiots triomphants vont venir te raconter dans les paroles, leur vie de merde. Ces misères morales, là. Hein? Ces âmes damnées. Je vous dis, c'est des trucs qui sont publics. C'est des informations qui sont publiques. Moi, je m'informe. Je recoupe l'information. Voilà. Bon, quand je recoupe l'information, je vais vous donner. Il se fâche. Pourquoi j'ai donné cette information? J'ai fait comment? Je n'ai pas caché l'information. Puisque mon rôle ici, sur la toile, c'est quoi? C'est de pouvoir restituer ce que je sais. C'est de pouvoir vous dire ce que j'ai entendu ou bien j'ai vu. Et quand je sais que c'est corroboré, et je vous restitue cela. Mais il ne faut pas m'empêcher de pouvoir vous dire. Deux secondes là. Il ne faut pas m'empêcher de pouvoir vous. Quand on peut ça relater, quand on peut ça, c'est que je sais comme information. Donc, je m'arrête là, je suis déjà arrivé. Donc, je vous dis à tout à l'heure, on va faire un direct en journée, c'est mieux. Quand souvent j'ai le temps comme ça, je fais en journée, je vais garder où là. Oh, Dieu, ici là, quand il vient, ça, je crois. Bon, attends. Voilà. Donc, Duchesse, je suis là, hein. Comme je suis beaucoup sur TikTok, c'est pour ça. C'est que je suis là. Et puis, je m'appelle des framponneurs. Et puis, tu sais que TikTok et Facebook, là, ils nous restent trop. Donc, j'ai fait plus de publications. Voilà. Et puis, pour pouvoir alimenter ma page, plus de publications. Parce que Facebook, il y a trop de restrictions. Voilà pourquoi tu ne me vois pas. Vous ne me voyez pas, comment dirais-je, en direct souvent. Sinon, je suis là. Je suis là. Et la semaine passée, je n'ai pas fait trop de direct aussi, effectivement. Donc, il y a eu une attaque terroriste en Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut que vous le sachiez. Donc, ces chrétiens triomphants qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont chaque fois en train de n'est-ce pas, de pointer du doigt les pays limitrophes, le Burkina et le Mali. Il faut leur dire que, ah, mais notre pays aussi a été attaqué. Hein. Vous dites quoi? Parce qu'ils sont déjà dedans. Ils sont déjà dedans. Il y a des loups solitaires. Loups solitaires, ça veut dire quoi? Que des individus incontrôlés qui peuvent agir. Même ici en France, dans les pays, même européens, partout, il y a des loups solitaires, c'est-à-dire que des personnes qui peuvent passer à l'acte. Voilà, ils passent sous la trappe au niveau de la surveillance. Donc c'est important. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Boumé, chacun va chercher, n'est-ce pas, de quoi? À Grigra. On est ensemble. Fatima, on dit quoi? Big up. Merci beaucoup.